premier baiser. Tu l'oublieras dans une disco, disco. Tu l'oublieras dans une disco, disco. Lorsque les lumières seront allumées, nous danserons. Et quand ça va briller, ça va crier, ça va chanter, je t'embrasserai. On suce, tu t'habilles. Tu me regardes, tu me souris, tu veux enfin venir. Et ça nous mène à 19h. Vous aviez reconnu notre première chanson thème. Je vous avais promis une surprise entre 19 et 19h30. C'était Daniel Sioui qui nous interprétait Suzy vient danser. Plus tard, durant l'émission, nous écouterons l'envers du disque. Et on va faire les présentations, les gens qui sont ici puis ont bien du plaisir. Salut Daniel. Salut Mario. Il y a Denis Landelet qui était à ce moment-là. Qu'est-ce que tu faisais avec Daniel, Denis? Directeur musical. Directeur. Et Patrice Landelet, c'est la famille Landelet, quoi, les kids. Qu'est-ce que tu faisais, toi, Patrice? Moi, j'ai sur son long jeu, sur son disque fait, j'ai fait l'interprétation musicale de son long jeu. Bon, OK. OK, on s'ajuste un petit peu. Bon, on va commencer avec Daniel, un peu pour informer les gens qui nous écoutent, là. À savoir, Daniel... ça, c'est, on sait maintenant que tu as fait un disque, tout ça. Comment ça a débuté, ça, l'esprit de germer pour toi, de faire de la musique? Qu'est-ce qui t'a poussé finalement à faire ça, là? Avant que tu rencontres, mettons, les musiciens, là, comment ça a débuté, ça? Dis-nous ça. Là, assez... ben, moi, c'était au niveau primaire. Excusez, vas-y, vas-y, mon Daniel. C'était au niveau c'était au niveau primaire. Et puis... on avait des genres de petits sketchs et puis ils nous demandaient de chanter, chacun leur tour. Et puis moi j'aimais bien ça, fait qu'ils m'ont demandé un peu plus souvent. OK, qu'est-ce qui t'a poussé au point de départ à... les amis, un petit... qu'est-ce qui t'a poussé le plus à entrer là-dedans? Est-ce que c'est ton père ou est-ce que t'as eu d'autres contacts à un moment donné? Non, c'est qu'il y avait des concours d'amateurs à un peu partout. Je pense qu'on va prendre une petite intermission. Les gens sont fatigués, c'est jeudi soir. On va écouter la deuxième pièce, puis on revient avec nos amis tout de suite après. Ensemble, le même
Bon, c'était la deuxième chanson, l'envers du disque. C'est une chanson d'amour. On poursuit avec Daniel Siwi. C'est normal si vous entendez rire un petit peu. On a du fun. C'est des retrouvailles, autrement dit. C'est des gens qui ont fait de la musique, qui ont eu beaucoup de plaisir ensemble. Cette interview se veut quand même une pointe d'humour. Mais on va essayer quand même de reprendre notre sérieux, les amis. Daniel, comment tu fais la rencontre des deux énergumènes, Patrice et Denis? Non, mais c'est en premier tout, j'ai rencontré Patrice. C'était, je pense, un genre de petit party qu'il y avait eu au terrain de jeu du village Giron. Et puis, on s'avait connus là-dessus. Et puis, c'était avec M. André Lafleur, qui était mon gérant. Et par la suite, bien, on a commencé à faire l'idée de faire un spectacle au village Giron. OK, comment tu l'as préparé, ce premier spectacle-là? Ça a dû prendre beaucoup d'heures de pratique et tout ça. Comment, le premier spectacle, comment il a été préparé? Le premier spectacle, c'était pour la fête des mères au village Giron. C'est ça. Et puis, on avait la pratique quasiment tous les soirs ou après 5 soirs par semaine, on pratiquait à la salle communautaire ou des fois là au sous-sol chez moi. OK, excluant Denis et Patrice, c'était qui les autres musiciens? C'était quoi les instruments qui étaient joués? OK, il y avait André Roy à la batterie, il y avait Jocelyn Gamache à la trompette, à la basse, il y avait... Louis-Georges Côté. C'était tous des musiciens du Centre des orchestres du Québec. Oui, à ce moment-là, c'est les mêmes musiciens qu'on retrouve sur les deux côtés du disque. C'est ça. OK. C'est ça. Dans les premiers spectacles, là, sinon le premier, vous avez sans doute chacun une petite anecdote qui s'est passée, peut-être quelque chose de drôle, de triste. Là. Daniel, toi, à ta souvenance, là, c'est quoi qui t'a marqué le plus lors de tes premiers spectacles? Moi, c'est quand j'ai fait le spectacle à l'Expo Québec. Et puis... En rappel, le monde nous demandait mon disque Suzy vient danser. Oui. Moi, je m'apprêtais à chanter Suzy vient danser, puis Denis ou autre chose, il a fait partir une chanson de Michel Fugain. J'étais tout mêlé, j'avais rien de synchronisé. Puis toi, Denis, qu'est-ce que tu te souviens de l'expérience avec Daniel là, qui t'a vraiment marqué, là, soit quelque chose qui était drôle? Ça plonge en moto. Oui. Ça, c'est du spécial, parce que moi, j'étais un spécialiste de la moto. Puis Daniel avait sa moto flambant en neuve. Mm-hmm. Puis il était là, puis il faisait faire des petits tours de moto. Puis moi, j'ai dit, passe-moi ça, on va te montrer c'est quoi faire de la moto. Mm-hmm. Puis je me suis rentré dans le décor avec sa moto flambant en neuve. Ça lui a coûté un stop. Puis. Donc, même antérieurement. C'était à côté du musical. Pour revenir au musical, c'est justement à l'Expo de Québec. La première chanson, Daniel vient nous voir, il dit, OK, c'est parfait, c'est-tu bien correct. On avait pratiqué sa chanson sur un ton. Mm-hmm. En pratique, OK? Lors du spectacle même à l'Expo Québec, tous les musiciens, on part sur un ton plus élevé. Je peux te dire que Daniel nous a cherché à la voix, mais c'était bon parce que c'était comme ça qu'on a fait... Finalement, le disque. En fait, Daniel, ce disque, c'était un disque qui se voulait surtout une promotion. Il était fait en combien de copies? Oh, j'ai aucune idée là-dessus, les copies. Il était fait, je pense, en 5000 copies. 5000, je pense. 5000 copies. C'est les disques de promotion. Distribué, c'est ça. C'était le producteur André Lafleur qui s'était occupé de ça à ce moment-là. C'est ça, la promotion d'un centre d'achat. Et puis. Okay. Et toi, Patrice, dans les événements qui ont pu se passer avec Daniel, les spectacles que vous avez donnés, qu'est-ce qui te... Ben, dans les petits spectacles, pas les gros comme l'exposition, je me souviens qu'on a pratiqué souvent chez eux pour faire la publicité pour ces gros spectacles, puis arriver souvent des anecdotes assez drôles qu'on a pu vraiment rire, comme entre autres une fois qu'on était tous les musiciens, puis les musiciens ils ont commencé à prendre un verre, puis il y en a un entre autres qui est parti avec un bouquet de fleurs, puis ça se passait au bureau du maire, puis c'était une anecdote assez drôle qu'on a eu. Il est à côté de moi celui qui était parti avec un bouquet de fleurs. Ça, c'est juste compléter là-dessus, Denis, pour les auditeurs, là, nous renseigner un peu ce qui c'est quoi l'histoire du bouquet de fleurs. C'est que je voyais la vie en rose. C'est sûrement pas à cause de mais ce qu'on faut, appelle faut mettre les gens les liqueurs alcoolisées qui ont sûrement pas ça. Peut-être une certaine petite abus. Quoi, au-dessus de deux verres et plus, je perds la tête. OK. Parmi les spectacles que tu as donnés après le disque, Daniel, c'était quoi finalement le plus important? Est-ce que c'était ça, l'Expo Québec, ou est-ce qu'il y en a eu d'autres pour toi? Non, définitivement, c'était le spectacle Expo Québec. J'ai pas pu voir vraiment la foule, mais il y avait une bonne foule, une très très bonne foule, et puis c'était la fermeture d'Expo Québec. Pour moi, c'était mon plus gros spectacle, et puis c'était vraiment à préparer. La plupart des gens du village le savent que quand même, t'as cessé de faire de la musique depuis un bon petit bout de temps. Toi, tes regrets ou qu'est-ce que tu aurais voulu faire à ce côté-là? C'était quoi que tu visais à ce moment-là? Là, puis peut-être en cheminant jusqu'à maintenant? Ah, puis même encore, des fois j'aurais peut-être le goût, mais je pense que c'est rien que l'effet, là, c'est que d'avoir une bonne chanson dans le bon moment et puis d'avoir un bon compositeur et puis je pense de repartir, ça serait. Ouais. Tu aurais peut-être eu besoin plus d'un soutien technique. C'est ça.
On dit pas que c'était pas professionnel, mais mettons comme le petit Simard, Hugues Cloutier, qui l'a aidé. Puis que un bon studio à Montréal ou quelque chose. Moi, à Québec, il y en a des très très bons. Qui n'existait pas dans le temps quand même. C'est ça. Là, le PSM qui est rendu très bon. Là, si on suit le cheminement de ça, t'as fait quoi après? Ah oh, ben là, ensuite, j'ai continué mes études et puis j'ai commencé à travailler au ministère des Affaires indiennes. Le ministère des Affaires indiennes, où est-ce que tu es encore pour très peu de temps? On va y revenir, ça sera pas long. Toi, Denis, après Daniel, c'était quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu fais présentement? J'ai fait la direction musicale de Régis Simard. Oui, le frère à René. Le frère à René, justement, oui. Après ça, j'ai travaillé en étroite collaboration avec François Cousineau. François Cousineau lui-même. Pour les spectacles de Diane Dufresne. Oui. Pas ceux de dernièrement. Là. Mm-hmm. Dans ce temps-là. C'est ça. Mm-hmm. Puis, présentement, je travaille pour moi-même. Je fais du spectacle à l'Auberge des Quatre Temps au Lac Beauport. Si on veut s'y rendre, te voir, c'est quand les soirs que tu joues? Le jeudi, vendredi, samedi. De 9h30 à 1h30. Ça, c'est l'auberge qui est en bas, là, juste sur... L'ancienne auberge normande, c'est appelé ça. L'ancienne auberge normande. Face au manoir du Lac Beauport. Okay. Toi, Patrice, t'as suivi la même ligne? Oui, j'ai toujours continué dans la musique. On est parti un groupe, on était quatre musiciens, le groupe Axis. On a fait une tournée avec Guy Cloutier, on était à Montréal, on a fait une bonne tournée rétro. Puis après ça, le groupe s'est laissé au bout de 3 ans. Maintenant, on est en duo, on est deux musiciens, le duo d'Enam. Mm-hmm. Présentement, on est en repos parce que je viens juste d'avoir un petit bonhomme, un petit garçon de 1 mois. Mm-hmm. Puis je recommence le mois prochain, on joue à Loretteville, c'est pas loin d'ici, c'est bar au bureau. On commence le mois prochain. Tu vas jouer quel soir? Ça va être le jeudi, vendredi et samedi. Ok. Toi, Daniel... Je sais que tu termines ton ouvrage au ministère des Affaires indiennes incessamment, sinon cette semaine. Oui, c'est ça. Peux-tu nous dire dans quoi tu te diriges ou te spécialises? Oui, je suis pas mal le monde du Vergeron le savent où ce que je vais. C'est à mon commerce, à mon garage de polissage automobile. C'est je quitte le ministère pour mon commerce et puis à plein temps. Oui, tu fais du polissage auto. Explique un peu là, qu'est-ce que tu vas faire. Le polissage auto, autrement dit, c'est des. La cire que j'applique sur les taux, c'est garanti 3 ans, autrement dit, contre le lustre va rester et puis l'eau va demeurer, elle va perler sur l'automobile. Les gens qui veulent aller te voir, c'est à quelle adresse? Parce qu'on sait que les gens du village le savent sans doute, mais on est capté quand même en banlieue. C'est ça, c'est au 535 rue Max Gros-Louis, au téléphone. C'est à 842-1732. 1732. Et du point de vue musical, t'as pas d'autres idées en tête pour l'instant? Tu travailles un petit peu dans l'ombre, puis t'attends peut-être qu'il y ait un offre. C'est ça, j'aimerais bien ça, puis on attend tranquillement, pas vite. Bon, j'espère que ça vous a fait plaisir de discuter ensemble les longues retrouvailles. On sait que chacun de votre bord, vous êtes assez occupé, vous n'avez pas le temps tellement de vous rencontrer. Et pour ma part, j'ai été très heureux de vous avoir. Les auditeurs attendaient cette surprise avec impatience. Entre autres, samedi passé, ou voilà 2 semaines, on a fait jouer ton disque. J'ai été surpris des appels téléphoniques. Les gens se souvenaient encore de Daniel Sioui. On va réentendre avant de se quitter. Suzy vient danser. J'ai un petit spécial. Oui. Oui, pour les gens du Lageron. Oui. Avant de venir ici, je fais des recherches et je leur dis Koué Koué à Taro. Suzy, viens danser, mets tes souliers.
Je pense.